J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Aujourd'hui, on est avec Léna et le petit bébé d'amour. Ça va, mon cœur? Il va attraper. C'est un tueur. Donc voilà, on a entendu que dans la dernière vidéo, ouais, c'est son parc. On a entendu dans la dernière vidéo que on a eu que des retours positifs. On a kiffé lire vos commentaires, sérieux. Hein. Non, vraiment. Ouais, franchement, il y avait 2-3 commentaires négatifs, mais ouais. Enfin, c'est quoi. Juste, j'aimerais répondre à un commentaire. Il y a une fille. Alors, paumée, la meuf, genre. Voilà, même lui, il s'énerve, tu vois. Il a envie de te. Ouais, bref. Il a envie de te castagner. Et donc, en gros, il y a une fille qui a dit: oui, un bébé, ça fait des caprices à partir de 2 ou 3 ans. Pas du tout. La meuf, elle a 14 ans, elle a jamais eu un enfant de sa vie, elle sait même pas à quoi ça ressemble. Et elle vient t'expliquer. Bref. Oh mon amour. T'as entendu, il a dit maman. Il a dit maman. Donc, un bébé, ça fait des caprices des petits, hein, crois-moi. Et que. En ce moment, il râle beaucoup. En ce moment, il fait ses dents. Voilà, il fait ses dents. Crois-moi que si je veux pas. Si par exemple, je lui prends son doudou ou que je veux pas lui donner mon téléphone quand il vient le prendre, tu vas voir s'il va pas gueuler. Et il va pas râler. Dès que tu lui donnes, il va arrêter. Donc voilà, bien sûr qu'un bébé, ça fait des caprices. Donc vous avez kiffé les petites vidéos avec le bébé. On a décidé de faire ces petites vidéos parce que voilà, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. Tu vois, je suis parti vite fait m'acheter. Enfin, je suis parti vite fait acheter des chaussures. Donc voilà, c'est pas moi qui les ai payées, c'est ma maman. Voilà, donc j'ai acheté des petites TN tranquillement. T'as vu, voilà. J'aime bien, c'est les toutes dernières en plus. Ils viennent de sortir. Après, bon, j'ai acheté des paires de chaussettes Nike tranquille parce que j'en ai, ils m'ont manqué. On a entendu que vous kiffez les vidéos avec le bébé. Du coup, on a décidé de vous en faire une toute petite pour vous demander: est-ce que vous voulez un vlog avec le bébé? Ou genre, je sais pas, on part, genre, on prend une journée et on. Du matin. T'as vu, il dit papa. Il dit papa, papa, mais tout doucement. C'est trop mignon. Donc en gros, voilà, on part du matin jusqu'à fin de soirée et on prend une journée avec le bébé. Ou genre, on fait un petit vlog. Et je sais pas, on peut aller faire du shopping pour lui, on peut aller lui acheter des vêtements, des jouets. Voilà, dites-nous si ça vous intéresserait, un petit vlog avec le bébé. Je compte sur vous dans les commentaires pour me le dire. Et je compte sur vous aussi pour m'ajouter sur Instagram, parce qu'on va faire un Instagram contrôle notre vie. On aimerait bien faire ça avec le bébé. C'est pour ça que je compte sur vous pour vous abonner à mon Instagram. Et voilà, on met plein de photos avec le bébé aussi. Donc voilà, on essaierait bien faire plusieurs vidéos avec le bébé maintenant, vu qu'on a vu que vraiment vous kiffez ça. Et voilà, on va essayer de faire ça. Donc Instagram contrôle notre vie, si vous voulez y participer. L'Instagram, il est dans la description, l'équipe. Je compte sur vous. Vous ouvrez la description et vous pourrez aller le voir. Mon bébé. Attends. Oh, c'est rigolo, hein. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Bon, ouais, il a une couche, hein. Il fait chaud, hein. Bah ouais. Non, chérie. Donc voilà, l'équipe. C'était une toute petite vidéo pour vous demander ça. On espère vraiment que les prochaines vidéos vont vous plaire avec le bébé. On a décidé, voilà, maintenant d'en faire. Donc dites-nous dans les commentaires, je compte sur vous pour vraiment interagir, nous dire si vous voulez qu'on fasse les vidéos Instagram contrôle notre vie avec le bébé. Après, si vous voulez, vous pouvez nous dire de le faire tout seul aussi, hein. Voilà, dites-nous des idées de vidéos. On essaye de plus en plus à être actif. Là, c'était les vacances, donc on allait faire beaucoup de motos avec Léna. On va essayer de repartir dans les vidéos. Pour ceux qui nous demandent de faire des lives, on peut plus. On a été strike. Donc par des enculés de YouTube. Ouais, parce que en gros, je vous explique. On a fait une vidéo, c'était la vidéo avec Momo là. Voilà, c'était une vidéo humour, hein, comme tout le monde aurait pu le savoir. Parce que bon, Momo. Voilà. Et il y en a qui. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais en gros, YouTube il a strike la vidéo. Ok. Bon, c'est pas grave. Sauf que maintenant, je peux plus faire de live pendant 3 mois. Donc, bon, ben voilà, dans 3 mois, on recommencera l'équipe. Hein. Mais on va faire avec. Voilà, là il parle, tu vois. Là il fait doucement. Mais des fois, regardez, il tire les cheveux, il sait pas ce que c'est, il découvre un peu. C'est ah, marrant. Mais il adore tirer les cheveux. Ah ouais. Ah oui, j'ai vu un commentaire aussi. Il y a un mec. Attends, tu veux que je te dise ce qu'il a dit, le mec? Quoi? Le mec, il a dit: arrêtez, vous voyez pas qu'il vous prend pour des bips. C'est son petit frère. N'importe quoi. Alors, si vous avez pas vu le gros ventre qu'elle avait, Léna, avant. Sur Insta et il y a toutes les photos de grossesse. Oui, voilà. En plus, c'est vrai, sur Instagram, il y a les photos quand elle était à sa grossesse et tout. J'ai même fait une vidéo pendant l'accouchement. Il y a le dé où tu vois vraiment. J'avais fait une vidéo. Ouais, bon, voilà, bref. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous, l'équipe, pour nous dire dans les commentaires. Ouais, j'arrive pas à parler, je suis fatigué, frère. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse les vidéos que je vous ai dit tout à l'heure avec le bébé. Donc Instagram, contrôle notre vie. Et un petit vlog où on prend une journée avec le bébé pour faire les courses ou aller acheter des trucs pour lui. Donc voilà, je compte sur vous pour liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, l'équipe. Abonnez-vous parce que voilà, maintenant c'est vrai que en ce moment on a un petit peu stagné en abonnés. Voilà, normal, l'année dernière on a vraiment eu un gros coup de...
c'est monté très très vite et voilà, ça stoppe un petit doucement. Peu. Mais voilà, on espère que vous aurez kiffé cette vidéo, que vous allez kiffer les vidéos à venir avec lui. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous tout le monde. Tu dis au revoir, Emilio ? Fais au revoir comme ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il veut pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je peux pas renoncer, c'est hyper dur. Je bois un verre juste avant l'interview. En solange, vous baisse, dis-moi qui peut m'interdire. Sur ma route, y'a des poteaux que j'ai perdu. Y'en a qui sortent d'autres 40 à mardi. Bien, vous sautez si c'est tendu. Surtout qu'au bien, nous ont dit qu'ils devaient partir. State, sale fils de putain, je roule un pet, soit à la fureur. Des ennemis, moi j'en ai plus d'un. Mais la guerre, eux, ils aiment plus trop. Lâche le Clio pour le Formule 1. Waouh, je t'ai jeté, mais cette putain me croit.